Ici Marc Gélinas. Vous écoutez Ciel MF au 98,5. Nous serons officiellement en onde à compter de midi, heure de la rive sud. À bientôt. Salut Douville, salut Providence, salut Saint-Hyacinthe, salut Saint-Joseph. Salut Richelieu-Cité, salut Saint-Joseph, salut Saint-Our, salut Sorel, salut Tracé. Salut Carignan, salut Chambly, salut Greenfield Park, salut La Flèche. Salut Brassard, salut Candiac, salut Delson, salut La Prairie. Salut Sainte-Catherine d'Alexandrie, salut Saint-Constant. Salut la Rive-Sud, salut la Présentation, salut Saint-Barnabé, salut Saint-Bernard. Salut Massuville, salut Saint-Aimé, salut Sainte-Anne-de-Sorel. Salut Saint-Louis, salut Saint-Marcel, salut Saint-Tour. Salut Lemoine, salut Longueuil, salut Saint-Basile-le-Grand, salut Saint-Bruno, salut Saint-Hubert. Salut Saint-Isidore, salut Saint-Jacques-le-Mineur, salut Saint-Philippe, salut Notre-Dame, salut Saint-Mathieu. Salut la Colle, salut Notre-Dame du Mont-Carmel, salut Saint-Bernard de la Colle, salut Saint-Blaise, Saint-Paul, Saint-Valentin. Salut Saint-Pierre, salut Saint-Robert, salut Saint-Roch, salut Sainte-Victoire. Salut Belle-Oeil, salut Sainte-Julie, salut Varennes, salut Contrecoeur, Masterville. Salut Saint-Lambert, salut Beauharnois, salut Maple Grove, salut Salaberry de Valleyfield, salut Melocheville, salut Saint-Timothée. Salut toute la rive sud. Pourquoi est-ce qu'on fait une station de radio? Parce qu'on a écouté de la radio toute notre vie. Je m'appelle Stéphane Van, je suis un amateur de radio invétéré. Je m'allume une cigarette et salue les stations de radio. Salle musique. L'extrait qu'on a entendu juste avant, c'était Zachary Richard, le Guangui-Gui, le grand Gris-Gris. Salut, c'est quoi? Salut, C-H-O-M. Clémence Durocher donne un spectacle à l'Outremont. And tonight and tomorrow night, Stuart Woolley is appearing at the Yellow Door. Salut, CBF et Jean-Maurice Bailly. Bonjour, mesdames et messieurs. En ce vendredi saint, les joyeux troubadours se recueillent et vous présentent l'émission plus sérieuse qu'à l'accoutumée. Salut CKAC, salut Jacques Proux. Et voici Jacques Proux. Rebonjour. Premièrement, on dit bonjour à notre 57e gagnante, Madame Alice Saint-Arnaud de la rue d'Auvergne à Touraine. Bonjour madame. Salut CKMF, salut André Marcoux. Vous avez vu ce ciel? Non mais, quand même. On aura du soleil en fin de journée, peut-être, chose certaine, pour le week-end, pour le restant du week-end, ce sera un beau ciel bleu.
Avec certaines... Salut CFGL et un des meilleurs amis de radio, Jean-Pierre Coallier. Jésus, Marie-Joseph. Salut, vous n'avez pas manqué un matin, Coallier. Hein? Salut CKVL, salut Forgette, salut Corbeil. Un autre corps, les autres. Ouais. Quel corps, corps qui roule, il n'amasse pas, moi, ça. Je t'en ai, m'en trouve un autre un matin. Bon, OK, salut, on revient tout de suite. Où c'est ça? Salut CJMS, salut Gilio, salut Serge Belair. Bon, il faut que je parte là-dedans, là. Dans plaque en tête. Plaque en tête, CJMS 1280. Et à partir de maintenant, salut Ciel, salut la rive sud, salut Montréal. Ça. Quel voyage. J'avais dit quel voyage au début. Quelle belle idée. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis un compositeur de chansons, chef d'orchestre. Une radio, c'est le plus grand orchestre que tu as jamais vu. Tu fais un voyage sur quoi? Tu fais un voyage sur une idée. Une idée, tu l'as où? Tu l'as dans la tête, puis tu l'as dans les pieds. Tu l'as dans les pieds aussi. C'est ça qui te fait voler. Tu savais pas ça? Il y a 3 ans, on a eu une idée. Qui ça, on? Oh, une douzaine de personnes. Je dois bien avoir la liste quelque part. Des gens qui sont en amour avec la radio. Je vous sors ma feuille et puis je vous en dis quelques-uns. 12 personnes qui ont mis leur partie de l'idée. Leur partie de l'idée dans la radio. Pour faire un voyage sur une idée, faut bien des parties d'idées, hein. Sinon, tu perds des plumes. Puis quand t'as plus de plumes, t'as plus d'ailes, tu voles plus. 12 personnes. 12 apôtres. On dirait que le monde marche par 12. 12 mois de l'année, 12 apôtres. 12 personnes, c'est qui? Serge Trudeau. Il a fait de la radio déjà avant. À CJMS, il a fait des tonnes de choses. Il a fait de la publicité. D'ailleurs, les 12 ont tous eu quelque chose à voir avec les communications. Roger Néron. Un autre à Canet. Un autre propriétaire. Un autre faiseur d'idées. Pierre Labarre, il y a des idées de fils. Lui, plaque des fils. Met des fils ensemble. On a un, là, qui part de mon micro. Tu veux bien ça? Le fil part de mon micro. Passe par terre, à travers le mur, rentre dans la console. Passe dans toutes sortes d'appareils que j'ai jamais vus de ma vie. Hein. C'est la première fois de ma vie que je fais de la radio. Rentre dans la console, sort dans une espèce de... d'appareil très compliqué. S'en va sur le toit de l'édifice. Sur le toit de l'édifice, là, ça sort dans une espèce de soucoupe immense d'à peu près 5 pieds. Là, ça s'en va pour la première fois dans l'air. Là, c'est vrai. Mais ça s'en va. Ça s'en va pas dans l'air pour vous autres. Ça s'en va dans l'air pour aller à la... le vrai grand oiseau qui est sur le Mont-Saint-Bruno. Notre antenne. Notre droit d'exister. Notre main tendue vers vous autres. L'antenne.
pourtant écrire une chanson sur les antennes. Pense à ça, Gilles Vigneault. 20e siècle, c'est les antennes. D'autres actionnaires, d'autres oiseaux du ciel. Michel Etier. Lui, t'as un son dans la tête, tu fermes ta bouche, il entend ton son dans la tête, puis il fait un disque avec. As-tu déjà vu ça? C'est un ingénieur du son. Et d'autres. Marcel Lefebvre, Yves Sénécal. Des gars qui parlent, des gars qui chantent, des gars qui branchent des micros, branchent des fils. Des gens qui font que vous m'entendez. Je m'appelle Stéphane Venn, mais j'ai pas de nom. Mon nom, c'est Ciel. C'est un des rares qui m'ont cru. Pourquoi tu m'as cru? Parce que d'abord, c'était une aspiration, étant donné que j'ai écrit des chansons pendant longtemps et puis qu'on se cherchait vraiment un véhicule, tu sais. T'as jamais écrit de chanson américaine? Non. T'es pas capable? Je suis pas capable. T'as jamais écrit de chanson italienne? Non, à peine. T'es pas capable? Je suis pas capable. T'es capable d'écrire des chansons québécoises? Je pense que j'en ai déjà fait. Je pense que je vais en faire encore. Tu es capable d'écrire autre chose que des chansons québécoises? Non, parce que ma terre, c'est ici. Parce que je suis né ici. Parce que mes racines sont ici. Je pourrais faire des pastiches de chansons étrangères, mais... Fais jamais ça. Appelle-toi jamais Mark Jelinas. Mm-hmm. On serait pas capable de le tolérer. Trahan? Oui, Stéphane. Trahan, toutes les fois que... il y a eu quelque chose de d'aérien qui s'est fait à la radio... que ça soit à CHRS il y a bien une dizaine d'années. Ah oui, au moins. Oui. Que ça soit à Québec, à Lévis, au poste... LS Radio. LS Radio. Toutes les fois qu'il s'est fait quelque chose d'aérien, toi, t'étais véritablement au plus haut des airs de ce qui se faisait d'aérien. As-tu toujours été comme ça, nom de Dieu? T'es pas parlable. Je comprends mieux maintenant avec l'histoire aérienne, là, que je me retrouve à Ciel. Tu parles. Je pense pas que ce soit un hasard, en tout cas, pour moi. Daniel. Oui. J'avais besoin, j'ai toujours eu besoin d'une femme. C'était pas la première fois que j'avais besoin d'une femme. Quand l'idée de Ciel avait besoin de voix, besoin de vent, besoin de cœur, besoin d'âme. Au fond, quand on écoute la radio, on se met à parler comme les autres gars de radio. Hein. Des fois, je me surprends à parler comme Guy Godin, j'adore ça. Salut, Guy Godin. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour vous autres. C'est lui. Daniel, t'as une des plus jolies voix radiophoniques, féminines, que j'ai jamais entendues. À quoi tu vas la faire servir? Si c'est possible, à peut-être laisser la place. Une grande place, parce que les femmes, on est quand même 3 millions au Québec. Et on a le droit d'avoir une petite place. Puis vous parlez en diable. Parfois. Oui. Des fois en sourdine, des fois doucement. Mais ce qui est important, c'est peut-être de laisser passer le message. Mm-hmm. Quel message? Que peut-être on est des chenilles. Puis qu'on va devenir des papillons. Gilles, Canville. Oui, Stéphane. La famille des Canville. Des familles de voix. Quelle histoire. Oui. C'est pas Claude, c'est Gilles. Oui. Sachez-le une fois pour toutes. Je veux le savoir, là. Retenez-le bien. Écoute-la, dis ton nom tranquillement au micro. Gilles Canville. C'est pas beau, ça, mon Dieu. J'ai pas 40 violons, mais j'en voudrais. Dis-le encore ton nom. Gilles Canville. Tu m'écrirais bien dire que les colombes de la rue des Sèves se faisaient comme une ronde. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie. Qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter. En même temps, dans les temps que nous, y'a Wawaron qui a perdu sa grenouille, un Wawaron tient dans sa gueule la lune. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier
pas m'emmerder avec vos mesures à l'anglais. Si c'était pas tous ces gens-là, on serait pas là. Il y en a d'autres, Marc. Oui, il y a eu les pops, les chanteurs, puis il y a eu l'époque des groupes. On peut pas certainement passer sous silence des gars comme Gignac, les Classel, les Sultans, René Martel, les Baronets, César et les Romains. Les drôles d'années. Oui, Ginette Renault qui est toujours là, Michel Richard, les Belcanto, Pierre Lalonde, Stéphane, la Révolution française, Donald Lautrec, Joël Denis, Robert de Montigny, les excentriques. Mon Dieu, que t'es drôle. Donnez-moi des roses, mademoiselle, avant de me dire... En prenant mon bain vers le barricade les soirs, tu vivras toujours dans mon cœur. Tu es bruit, tu es clair. Au début de la soirée, le garçon que j'aimais, celui qui me plaisait. Oh yeah. Découragé, je suis au désespoir. Tu es fâché, tu ne veux plus me voir. Me rend si heureux. Et puis, à un moment donné, la chanson québécoise, ben, il a fallu qu'elle remette sa passe de tramway puis qu'elle se mette à payer dans les autobus les billets des grandes personnes. Ça a donné un paquet d'adultes qui parlent à d'autres adultes, qui essaient d'en parler, en tout cas. Ça donnait un paquet de compositeurs